Hey, coucou Tortel! Ça. Coucou princesse! Bon, le truc de TS, il merde à mort, c'est pas grave à faire sans. Et voilà. Ah ouais, totalement, je suis totalement à la bourre, je suis désolé. Ça fait pas pro, hein, je suis vraiment désolé. Ah oui, faut aussi que je Bon, je suis gère totalement. ça. Voilà. Coucou Willou! Bon. Je vais. Je voudrais bien vous remettre le lien une dernière fois, mais. Voilà. Accéder aux formulaires, voilà, ça a marché. Voilà. Donc. Je suis juste désolé, il sortira pas à temps. Donc, je vous redonne une dernière fois le lien pour voter, pour choisir les jobs, pour me foutre dans le caca. Parce que vous aimez ça, avouer, bande de petits vicelards. Ouais, j'aime bien dire ça. Je vais éteindre deux, trois trucs. Je suis ravi que. Je suis ravi que ce que j'ai trouvé ça te plaise, en tout cas, princesse. Fallait bien trouver, hein. Mais tu sais, t'aurais pu me demander avant. On aurait été un peu moins stress, speed, tout ça. Bon, c'est pas grave. Donc, je disions donc. Allez, c'est un peu de temps. Peu de temps que ça démarre, tout ça. Petit rappel des épisodes précédents aussi. Coucou Chrisquette. Donc le petit rappel des épisodes précédents. Donc on a récupéré le cristal du vent. On a récupéré le cristal de l'eau. On est allé voir pour récupérer le cristal de feu, mais après moult échecs lamentables. Je me suis rappelé, grâce à une aide non négligeable, que j'avais oublié de grinder comme une conne. Et comme mon stream et comme mon PC était en train de mourir comme un asthmatique, bah, je me suis arrêté en plein grinding. Donc du coup, on va reprendre et on va aller grinder. On va faire du pexage. On va gagner du level, du stuff, des sous. Et. On va commencer par aller voir ce que vous m'avez réservé comme saloperie. Quelle vacherie! Ah, bah c'est ça la grande question. Je suis pas encore allé voir Chriscat. Sérieux, il y a un bouton sur lequel je peux appuyer, ça marche? Oui, ça s'appelle le bouton mettre le focus sur le bon écran. Non, c'est pas Final Fantasy X, hein, c'est Final Fantasy 10 sur 2. Donc, c'est l'heure d'aller chercher les réponses. Donc, je vais recharger une dernière fois le truc. Ça mouline, hein. Google est pas super super réactif ce soir. Il a envie de me faire chier. Je le comprends. Donc, ça charge, ça met à jour. Ça charge, outil de formulaire. Afficher le résumé des réponses. Donc, alors, vous avez été combien de votants? Vous avez été 8 votants. Après FF10 2, FF10 sur 2. Voilà, c'était volontaire. Alors, le suspense.
Donc sur les 8 votants, vous avez choisi pour Faris presque la majorité absolue, mais pas tout à fait. Berserk. Donc on va mettre Faris en Berserk. Voilà. Bon, on va lui mettre Learning vu que c'est la seule à l'avoir au cas où. Voilà. Une fois qu'elle arrive à apprendre quelque chose un jour. Alors, pour Lena, pareil, même nombre de votants, hein, toujours 38%. Vous avez choisi White Wiz. Ce qui, du coup, ne devrait pas changer grand-chose. On va prendre une White Wiz qui sait se battre au kiak. Histoire de dire. Voilà. Pour Galuf. Alors, Galuf, c'est serré. Ah non, c'est pareil. C'est pareil, 38% de Black Mage. Bah, du coup, j'ai deux healers. Ça fait pas de mal. Et pour Pulps. Vous. Là, c'est écrasant, hein. Là, c'est écrasant, vous avez choisi Berserk, bande de petits vicelards. Bon, bah, bonne nuit, Tortel. Merci d'être passé pour dire bonne nuit. Ouais, on va reprendre Berserk en entier, il faut que j'ai d'autres zombies. On va lui mettre cover, hein. Il me semble bien. Et voilà. Voilà. La team de rêve. Waouh, bah ça va pour grinder, ça va être cool. Je peux fermer ceci et cela. Pour grinder, ça va être cool. Pour le boss, peut-être moins. Mais vu l'argent que j'ai. Enfin, vu là où j'en suis en termes de HP, MP. On va continuer un peu à taper, hein. On va taper. J'aurais peut-être pu faire un heal. Ouais, faire ça déjà. Coucou Spifounette, bah bon passage en coup de vent. Oh mon dieu, c'est magnifique. C'est tellement magnifique les berserks. Oh putain. Ah mon PC il est, hein. Comment ça je vais te décoiffer? Je parle trop fort encore? Hop. Mon PC est tellement capable d'assumer une émulation de Super NES et... grandiose. Donc, alors, si les choses se passent logiquement, on a un développeur du jeu qui va passer, hein. Ah non, c'est Spifounette avec son coup de vent. En effet. Faire un peu de heal. Je crois que j'ai plus besoin de faire du heal maintenant. Ah si, il y a encore du point de vie à gagner, tiens. Ah, ils sont bien, mes berserks. Ils sont compétents. Surtout pétants. Oh, on va grind... jusqu'à... Oh, je suis à 5000.
On va aller voir où j'en suis en termes de stuff, où j'en suis en termes de ce que je peux acheter. Non, on va toujours commencer par passer à l'auberge. Toujours. L'auberge en premier. Maintenant que l'auberge c'est fait, on va aller chercher du sort parce que ça sert d'avoir des sorts. Et ben voilà, on est sort niveau 3, c'est quand même mieux. Bon. Il me reste encore un peu de sous pour aller chercher du bon vieux stuff de base. Donc on va chercher du stuff de base. Alors, Pupus, il y a Sinel qui dit coucou Nina. Est-ce qu'elle t'a entendu rentrer? Donc, alors, j'ai plus de sous. Bon, bah, au moins, c'est réglé, hein. Ça va être réglé, il n'y a plus assez de sous. C'est la dèche, c'est la crise, mes pauvres amis, c'est la crise. C'est la crise, il n'y a plus de sous dans les caisses, faut aller tuer du mob. Il y a Spifounet qui dit coucou Nina. Bah, coucou Spifou. Puis coucou tous les autres aussi. Voilà, comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Ça va me simplifier la vie, Fire 2. Ça va surtout rendre le truc tellement plus rapide. Alors, comme vous pouvez le voir, les berserks servent encore beaucoup à quelque chose. Putain, c'est increvable ce truc. C'est la fin de Naruto. Mon dieu, ils font une fin à Naruto. Je pensais que la série allait jamais avoir de fin, moi, à ce niveau-là. Alors, c'est que c'est plus rentable, mais ça a l'air de toujours l'être, donc c'est bizarre qu'ils fassent une fin. Maintenant, ils épuisent un truc. Ouais, voilà, c'est enfin la fin. Mais c'est la fin de Naruto ou c'est la fin de Naruto Shippuden? Et s'ils ont continué à faire des Naruto normaux quand ils ont sorti Shippuden? Tu vas chercher le champagne, tu me ramènes la bière, s'il te plaît? Peut-être que je parle un peu moins fort pour te concentrer. Fallon, toi, tu veux voir ta musique? Mais tu me dis si je parle trop fort quand même, plus. Pour l'instant, ça va. Alors, petit rappel, si vous voulez venir parler de trucs ou d'autres, tout en bas du bousin, tout en bas de la page, il y a les coordonnées d'un serveur TS pour ceux qui veulent venir parler. Le truc qui les intéresse. Donc je suis connecté sur le serveur TS. Hein. Ouais, l'histoire est terminée, mais il continue d'en faire, quoi. Alors en fait, il a fini avec la quête principale de l'extension de base, maintenant il attaque les suppléments. C'est ça? Gratter du pognon. Y aurait-il une question de gratter du pognon avec les grosses franchises manga qui durent des années comme ça? J'ai tellement de mal à te croire.
Recris 4. Ah mon dieu. Léna, job up. Mais il va me falloir des milliers, des milliers, des milliers de gills. Hop. Je sais pas. Je peux faire grand chose en white mage. Non, bah, les animés le sauront jamais, hein. Faut être clair. Ce qui est bien, c'est que maintenant j'ai Rez. Ça, ça va être pratique aussi d'avoir Rez. Ou pas. Regarde, après Dragon Ball, ils ont fait Dragon Ball GT. GT n'existe pas. Tellement ça, quoi. Ah, je suis totalement d'accord. À un moment, faut savoir s'arrêter, quoi. Les séries qui durent à l'infini, ça... Enfin, voilà, quoi. Au bout d'un moment, il y en a un peu ras-le-bol. Ils ont même fait pire. Je savais même pas qu'ils avaient fait pire. Indiana Jones 4? De quoi tu parles? C'est un film de série Z. C'est pas ça, t'as pas compris en fait. Ils ont fait un film de série Z avec des aliens. Et ils ont eu la licence Indiana Jones après. C'est juste un film de série Z avec des aliens. Ah. Il n'y a plus de magie. Laisser les berserks faire le boulot, hein. Ah, je peux même plus faire ça, ouais, donc ouais. On va laisser le combat passer. Mais non, mais regarde, Spifounette, il peut pas sortir. La fin du monde, c'était en 2012. Ils peuvent pas faire un Indiana Jones 5 en 2016. La fin du monde, c'est déjà passé. Ouais, ça dépend du chèque et ça dépend des conneries, hein. Ça dépend beaucoup des conneries. Ben moi, je me pose juste une question, c'est... Non, c'est pas Boyle. Putain, ah oui, non, mais ça monte vite le pognon, en fait. C'est le farm du pognon de l'infini, en fait. Fallait le dire. Bonjour, marchand. J'ai besoin de stuff. Ah, tu... Ouais, voilà. La vaseline, le popper, c'est le dilatateur anal. Hein. D'accord, bah attends, je vais faire ça. Comme ça, je vais peut-être parler un peu moins fort.
Qu'on me signale dans ma pauvre oreillette que je parle un petit peu trop fort. Et la pommade anti-hémorroïde, ouais. Ah non, c'est pas parce que c'est racheté de départ Disney que je pense que ça va être de la merde. Je te rassure, Spifounette. Je pense que ça va être de la merde parce que... Parce qu'ils ont déjà montré avec les 1, 2, 3 qu'ils pouvaient faire de la merde. Et je vois aucune raison qu'ils se forcent à faire un truc bien. Vu que ça rapporte tout autant de pognon de faire de la merde. Ah bah disons que Star Wars, à la rigueur, qui finisse la triple trilogie que c'était censé être à la base. Ça pourrait être bien, mais... Voilà. Bah écoute, le 1, j'ai pas réussi à passer plus de 5 minutes dessus sans m'endormir. Le 2, pareil. Le 3, je l'ai regardé, mais je l'ai oublié. Tellement l'apocalypse. Non, moi, franchement, 3, j'ai pas été fan. Hein. Moi, je suis pas non plus une grosse fan de Star Wars de la première heure et voilà quoi, c'était pas de mon humble avis, c'était pas un truc marquant. Voilà, il était même pas marquant. Ah, moi j'aurais dit que c'est une raison pour laquelle ils pouvaient être mauvais, c'est qu'il y a une licence qui est installée, ils savent qu'il va y avoir des millions de personnes qui vont faire la queue pendant des dizaines de jours avant la sortie au ciné, qui vont acheter toutes les goodies en 40 fois. Ils savent que ça va faire du pognon même s'ils font la pire merde possible. Le premier était bon, le deuxième était moins bien. C'était un bon truc de SF, mais c'était pas... Le deuxième, franchement, je l'ai pas trouvé terrible, hein, le deuxième film Star Trek. Le farm de l'infini. Je suis sûr que c'est super sympa à regarder ce farm. Normalement, c'est bientôt fini. Je pense.
Je pense qu'on arrive sur la fin du farm. Oh non, mais... Laissez ce crossover de licence aux jeux vidéo, quoi. Oula, attends, je la cherche. Je la cherche, mais j'ai du mal. Moi non plus. Bon, je pense qu'il va falloir que tu t'expliques, princesse. Elle a plus d'MP. Elle a plus. Oh, joli. Joli, joli. De toute façon, je veux pas dire, mais quand même, dans FF7, il y a un perso qui est fumé, c'est Barrett. Le chat en décéda. C'est un foreur. Ah, le chat, oui. Mais parce que ça, c'est un foreur, c'est pas un chat. Mais oui, le chat, oui. En même temps, c'est le chat de Twitch. Le chat de Twitch, il décède tout le temps. Ah, putain, ouais, ça y est, ça, ces trucs-là. Prendre 4. Bah ici j'en prends 4. Et c'est reparti pour farmer. Oui, bah pareil, Chris Cat. Hein. Donc moi, j'allais pas pouvoir la comprendre parce que justement, j'ai cette capacité à ne pas connaître le nom des musiciens. Une capacité magique et totalement nulle. J'aime pas les back attacks.
N'empêche que j'ai l'impression que vous adorez me mettre des berserks. T'es échoué. Merci. Les berserk, c'est surtout le random. Bon, en même temps, tu me diras, contre le boss, ça pourrait être sympa, les berserk comme ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner contre le boss. Il y a Willou qui dit coucou Nina de loin. Il y a Nina qui fait ça et qui dit coucou. Mais c'est tellement solide un berserk. Ça grind de vite, mine de rien, avec tous ces loups. Coucou Fantasma, comment ça va? Le PC il a du mal. Bah écoute, ça va. Ça grind. Je vous rassure, on va pas faire ça tout le stream non plus. Bah là tu vas en bouffer quand même pendant quelques semaines si tu viens régulièrement, vu qu'il y en a toutes les semaines du FF5. Jusqu'à ce que je le finisse. Et vu la vitesse à laquelle je vais, ça risque d'être long. Ok, il me reste deux combats. Bah ça doit faire depuis cet été que t'en as pas vu. Vu que l'été c'est la saison du FF5.
Allez, c'est l'heure de régène. Et puis après, il faudra quand même que... Quand j'aurai fini de ramasser le stuff, il faudra quand même que je me paye aussi des consommables. Parce que je vais avoir besoin de consommables. Oui, je prends tout en x4 parce que je sais pas ce que vous allez me réserver après comme job. Ouais, ça c'est bon. Ils vont payer que 2 de ça. Ah, Isang, il a fait le Forge Up Fiesta. Allez, c'est reparti pour un tour. Promis, on va bientôt voir du donjon. Ah, ça serait quand même bien que je passe le donjon aujourd'hui, quoi. Faut que je finisse de stuff. Ça marche aussi. C'est vrai que j'archive au fur et à mesure et au bout d'un moment, je zippe mes archives et je les efface du serveur. Bah écoute, là l'idée c'est quand même d'aller à la fin. Putain, Lena est déjà job 3. Hein. Ou que le roi du Niger te dise que qu'il a besoin de ton compte en banque pour faire transiter 4 milliards de dollars. Mais ça arrive hein, sur les boîtes mail. Je vous jure, c'est pas de l'arnaque. Tout à l'heure j'avais trop froid, maintenant j'ai trop chaud. Mon corps est à chier des fois. Et mine de rien, ça pèse, hein. Totalement. Totalement, ouais, ce serait trop con de la laisser mourir, quoi. Je vais faire ça au cas où. Tellement long le weight match des fois.
Le Black Mage, je veux dire. Ils ont tellement du hit, mes berserk. Le Black Mage, c'est quand même bien. J'aime quand il est énervé comme ça, mon Black Mage. Ah, ça, j'en sais strictement rien. Je te dirais que j'ai pas regardé si les persos changeaient de stats en fonction des. Enfin, avaient des stats différentes. Merci princesse pour cet éclairage. J'ai pas regardé, ça me semblait bête qu'il y en ait une. Maintenant ça marche aussi comme ça. Et du coup, est-ce que je peux refaire? Je peux refaire, hein. Je peux refaire un combat. Et Galuf a pris Black 3. Et c'est l'heure d'aller finir les courses. Non, je vais pouvoir finir le shopping. J'espère. Parce que vous avez quand même déjà une heure qu'on est en train de grinder, donc ce serait bien de faire autre chose. Parce que les streams du grind de l'infini, c'est pas le plus intéressant à regarder, n'est-ce pas? J'aime bien cette musique, je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Ouais, j'ai pas rien à acheter, par contre, lui, j'ai des trucs à lui prendre. Alors, j'en étais où? Ah, je crois qu'il va encore falloir grinder, hein. Ouais, encore falloir. Ah, totalement, parce qu'il reste quand même des trucs importants à prendre. Donc il reste des trucs quand même un peu importants à prendre. Donc on va le refaire un coup, hein. On va le refaire un coup en plus long. Parce que c'est marrant. En
Ah, t'en fais pas, je crois que les gens sont encore là, simplement comme c'est un stream qui est pas forcément très intéressant à regarder et... Ça lurque. Mais non, on va pas t'euthanasier, t'en fais pas. Des choses sur ce chat. Il vient tellement bourrin, mon Black Mage. Et les loups ils font tellement rien au berserk. C'est abusif. Il y a le nez qui me gratte. Grand moment de solitude, oui, comme tu dis. Il y a encore quelques personnes, mais bon. Je pense que tout le monde attend que j'ai fini de grinder pour venir dire des conneries. Tu lures qu'il y a moitié, bah c'est bien. Il y a des différences de set, mais tu les comprends pas. Bah moi non plus. Je te dirais que je pense que je joue beaucoup trop casu pour que ce soit quelque chose qui me... Mais y a pas de problème, Willou, c'est pas un reproche. C'est pas un reproche de lurquer, c'est très bien, hein. Si je fais un fond sonore suffisamment agréable pour que vous lurquiez, moi ça me va. Il y en a encore pour un petit bout de temps. Hein. Au moins comme ça, le boss, il devrait passer.
Je farme surtout du stuff. Surtout des sous en fait. Mais bon, ça fait des niveaux en même temps, hein, ça fait les deux. Parce que l'idée c'est faut que je m'achète, faut que je vide les shops. Puis si je peux me reprendre des queues de phénix et des tentes, je vais pas dire non. Il faut dire que la dernière fois, je me suis tellement fait rouler dessus par le boss. Non, je me donne vraiment pas d'objectif de niveau, parce que sinon, sinon ça va être la merde, hein, si je fais ça. On va juste regarder où j'en suis en termes de niveau. Niveau 17, ça devrait aller, je pense, quand même. Puis bientôt passer leur niveau de berserk. Donc habituellement je farm jusqu'à ce que mon Black Mage ait plus de MP. Mais je sais pas si c'est ce que je vais faire cette fois là parce que ça va être long. Merde. Merde, 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 merde. Je fais du caca. Bon bah voilà, on va rattraper le caca là maintenant, hein. Les loups m'attaquent toujours en premier, c'est très chiant. Bah, il reste une petite quinzaine de combats, en faisant comme ça, je vais continuer comme ça. Ça me permettra de prendre plus de consommables après le stuff. Ça va vite quand même. Pas si long que ça. Donc bon, on va bientôt voir la fin du farming.
Archilou, au moins ça rapporte bien. Hein. Ah, pareil, c'est mon perso préféré dans ce final. Hein. Que 11 combats. Combien en termes de sous? Ouais, tu sais quoi, je vais pas finir les MP parce que bon, j'en ai un peu marre de farmer. Juste un petit peu marre de farmer. Il y aura tellement d'autres passages de farming dans le jeu que c'est peut-être pas la peine. C'est pas tout de suite. D'abord. Ouais, voilà, c'est. Je dois aller faire le boss de cet affreux bateau. En soi, le donjon, je l'ai déjà fait, mais la dernière fois, la semaine dernière, je me suis fait retourner comme une pastèque. Par le boss. Alors. Ouais, là j'en suis encore juste au cristal de feu. Bah, joue sur émulateur, sur Bizouk. Allez, c'est fini le farming. On va enfin pouvoir passer au truc intéressant. On sauvegarde, tout le monde est niveau 17. Et c'est l'heure d'aller se faire le d'aller retrouver ce fameux boss et de se venger. On va aller se venger de ce boss. Oh, faire du bien. Là, je crois que je suis pas allé là, je sais plus si je suis allé là. Oui, c'est aussi efficace. Merde, je me suis fait avoir. Bon, bah, le deuxième Berserk va s'en charger. Non, même pas. Je le laisse au Berserk. Hein. Voilà. Ouais, j'y étais allé. Ça se passe quand même pas pareil que la dernière fois. Hein. Oui, c'est la version Super NES. Attends, mon PC a déjà du mal à émuler la Super NES, on va pas lui demander de faire un truc plus compliqué, hein. Alors, attends. S'il y a un truc à aller prendre par là-bas, je ne sais plus comment on fait.
Alors... non, FF3, c'est le 6. C'est le 6 qui s'appelle FF3. C'est... ça, c'est une fan-trad, en fait. Ça, c'est totalement une version fan-trad. Donc... Non, je ne veux pas y aller par là. Je ne me souviens plus par où j'y vais. Faire ça. Alors, on s'en fout, il était full. Pas grave de lui rendre des HP. Maintenant il est mort. C'était pas grave de lui en avoir rendu. De mémoire. Je voulais quand même heal tout le monde à un moment. Ah non, c'était pas là. C'était pas là, c'était pas là. Là, il y a ça. Et puis là, ça m'envoie ailleurs. On va faire le point de sauvegarde. Tant pis, il y a un coffre. Je me souviens plus comment je vais le chercher. Donc, on va faire ça. Et donc, il est l'heure d'aller chercher le boss de fin de niveau. Non, je les aime pas. Il y a bien un berserk qui va réussir à s'en occuper. C'est sérieux là? Voilà, enfin! Ils ont sorti leurs lunettes, ils voyaient rien. On récupère un élixir. Et encore ce combat de merde. Et un Black Mage est confiant, on s'en fout un peu. Oh non, mais là tout le monde est en mode bras cassé à ce niveau-là. Hein. (Rire)
Mais c'est quoi ce hit de merde? Oh oui, avec une hache, c'est pas dur de toucher un mob. Et voilà, donc là, c'est le moment de régén HPMP, tout ça. Suffisant, on va remettre on va trier le bordel hein. J'ai pas d'éther, putain ça fait chier les berserks qu'ils ont vite pourri. Merci du cadeau les gens. Bon. J'ai bouffé un élixir quand même. Hein. Et donc, c'est l'heure d'affronter le boss. Je vais faire un save state au cas où. Alors, les berserks, c'est pas la meilleure classe de l'univers. Hein. Donc, c'est l'heure de se venger du boss. Normalement, je devrais être en capacité de lui rouler dessus. Alors, on va faire ça. Hein? Est-ce que je le sentais venir? On va faire ça. Ok, donc là, il faut qu'il y ait un berserk qui se sorte les doigts de la nuque. Oh putain, ça fait mal. Ça aussi, ça fait mal. Berserk, à toi. C'est bon, tout le monde est capable de taper maintenant. Alors. Là, je peux pas. Si, ah putain, non, je pouvais faire un sort, c'est en forme de main où je peux pas balancer de sort. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je me suis trompé de forme. On va voir. Ça, hein, c'est très bien. Ouais, voilà, heureusement qu'ils tapent fort, les berserks. Bien qu'ils servent à quelque chose. Donc, sur cette forme-là, je peux le taper avec un sort. On va faire du cure. Ouf. Ça, ça fait mal. Et voilà, on a roulé sur le boss. Ça, c'est clairement ce qu'on appelle rouler sur le boss. La reine, elle est par terre! Il faut sauver la reine! Il faut sauver la reine!
En même temps, fallait bien que ça passe, hein. Je suis un loup, je casse des murs! On peut dire que ce perso casse des briques. T'es qui? Je suis un loup, je suis ton copain! T'es un animal de compagnie? Bah non, je suis un loup! Le farm a payé, le farm paye toujours, voyons. Ah ah ah, je suis une entité verte maléfique qui ressemble à un blob de gélatine. Oh mon dieu, le levier il est coincé. Je vais retenir le truc, mais ça va tout péter. On doit le sauver, mais le chemin est bloqué, il y a des flammes, comment on fait? Ah, je suis tombé. Et le cristal, il a explosé. Et attention, ce perso clignote, ça veut dire qu'il est vraiment mort. Il a clignoté, ça veut dire qu'il est mort. Et vous savez ce qui se passe quand un vaisseau explose et qu'un gentil est vraiment mort et qu'il y a des flammes partout. Et que les flammes disparaissent. Le cristal, il a explosé. Mais c'est le pouvoir de cristal qui faisait que le château est nippou. Il y a très longtemps. Alors, j'ai 10 minutes. Mais je ne suis pas stupide. Ah merde, c'est par là. Faut que je fasse tous les coffres. Bah c'est simple, il y a un compte à rebours de 10 minutes. Monster and the bots. Mais ce que j'adore, c'est que le château va exploser, mais il y a des gens qui t'attaquent de dedans un coffre. Ah, toujours un timer. Gagner un élixir. Youpi. Monster in a box. Merci les berserkounets. Un ribbon. Y'a que le loup qui a compris que ça allait péter. Ok, il faudrait que tu fasses un heal. Faudrait que tu fasses un bon vieux heal.
Donc j'espère qu'avec cette team, j'aurai le temps de faire tous les coffres. J'ai appris aéro. J'ai récupéré un shuriken. Merde, c'est de là que je viens. Pas spécialement, mais là je sais qu'il y a des trucs à récupérer quand même vachement bien. Attends, je vais quand même tenter de fuir les combats, ce sera peut-être plus rapide des fois. Là on s'en fout des points d'XP, on veut le compte à rebours. Parce que le truc c'est que là si j'ai game over, je peux pas... Fuck, je suis forcé de le faire. Ça va être compliqué pour le timer. Ah, c'est bon. J'ai appris Aéro 2. Ça prend un élixir. Il y a rien ici. Ah si, il faut que je passe comme ça, c'est je me suis. Donc maintenant j'ai des sorts bleus. Ça c'est la bonne nouvelle. Faire du heal un petit peu et après je la remettrai en mode je fais de la def. Putain, j'ai pas besoin de heal en fait. Et que ça des monstres dans des boîtes hein. Non mais là je peux pas fuir, c'est un monstre dans une boîte. C'est ça qui est chiant. Il me reste déjà plus masse de temps. Hein. Il y avait un étage du dessus, j'avais oublié. Si que ça m'en tue un. Ah non, c'est des contorsionnistes les mobs hein. Faut être très clair, c'est des mobs contorsionnistes. Ok, là, je suis sur le bon sort. Mais c'est bon, j'en ai pas besoin. Guardian.
4 minutes, ça devrait le faire. Par contre, faut que je retourne là, parce que j'ai oublié un truc de l'autre côté. Et ça, c'est pas cool, j'ai pas vu l'escalier. Ça va être tendu, hein. C'est bon, il est mort. Elf cap, ça aurait été dommage de pas l'avoir. Il me reste 3 minutes 40, 3 minutes 35. Hop. Ça va être bon. Je compte sur mes berserks. Allez, toi aussi. Je peux pas compter sur mes berserks. Voilà, ça il fallait que je le prenne. Ça je pouvais pas ne pas le prendre en fait. Ça aurait été plus rapide de ne pas fuir. 2 minutes 30. Non, malheureusement. Allez, il faut qu'il y en ait un des deux qui touche là. Parfait. Il reste 2 minutes à la fin du chrono, c'est magnifique. De mémoire, ceux-là, je peux pas les éviter. Oh merde! Pas cool. Il va me falloir un élixir. C'est combien j'en ai qui traîne. Magnifique. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, les berserks, je compte sur vous. D'accord, c'est un boss. Je pense qu'il va pas faire long feu, mais il reste moins d'une minute. Et voilà, c'est passé quand même dans la minute. Hein. C'était tendu. C'était pas facile. C'était pas évident. Il est mort.
C'est passé dans les temps et avec tous les coffres. Donc, j'ai des nouveaux jobs. Ce qui veut dire que c'est le moment de choisir des gagnants. Alors, j'ai déjà choisi un gagnant. Je vais vous écrire les jobs déjà. Voilà. Donc, voici les nouveaux jobs. Et donc, qui va choisir le job de Faris? Pour le job de Faris, ça sera Fantasma. Choisi. À toi de choisir le job de Faris. Ninja. Je lui laisser learning tant qu'à faire, hein. Oh, ça a l'air bon ça. Alors maintenant pour le job de Lena. Non, ça peut pas être moi. Nightbot. Espèce de troll. Willow! Je vais remettre la liste des mobs, enfin des classes. Élémentaliste. Très bon choix. J'aime bien Lena en pyjama. C'est l'heure de se mettre en pyjama. Je vais lui mettre White. Comme ça, ça peut servir. Alors maintenant pour Galuf. Alors je remets la liste. Hein. Et Nightbot, tu es un troll. Willow! Ah, totalement. Donc Willou, c'est encore à toi.
White Mage. Ça me semble une bonne idée. Et enfin, pour Pulps. Pour l'instant, ouais. Putain, mais Nightboat. J'ai jamais autant gagné que ma vie. Fantasma, c'est encore à toi. Moi, je dis Nightboat a quand même des préférences. Hein. Carrément. Night. Edge est vendu. Voilà. On va allumer ça et on va remettre cette fenêtre en place. Ça tombe bien, j'ai l'impression qu'en plus tout le monde est équipé comme il faut. C'est magnifique. Donc je peux aller ici. Voilà, avec Nightboat. Cette équipe me plaît bien. En tout cas. Je vais reprendre 10. Je vais mettre une dizaine. J'essaie d'avoir 10 de chèque. Et puis on va se finir en popo. Parce que ça peut quand même servir les popos. Donc allons voir la reine. Après lui avoir pouillave la tronche. La reine fait des cauchemars. Je sais pas trop, je crois que c'est moins résistant et moins bourrin qu'un knight de base. Mais ça a l'avantage de pouvoir enchanter son épée. Me semble-t-il. Et je deviens meilleur au piano. Personne ici. Ah bah oui, il fallait que je passe jouer du piano quand même, je l'avais pas fait. Une obligation contractuelle, ça, jouer du piano. Il me semble qu'il y a des trucs à aller chercher sur les remparts maintenant qu'il n'y a plus le pouvoir du feu. Bah il persiste le temps du combat ou tant que t'en changes pas ou tant que le perso est pas mort, je crois. Voilà, y a rien. En tout cas, il faut que je l'ai joué, le truc est resté le long du combat. L'enchantement. C'est très puissant sur toi. Enfin, bah, c'est bon à savoir, ça. À considérer que je connais pas le jeu, hein.
Oui, alors le truc, c'est que je pense pas faire de run 100% sur mes fils rouges ou des trucs comme ça, parce que l'idée, c'est quand même aussi de montrer d'autres jeux. Je précise. Donc je pense pas qu'on ait cherché Omega, éventuellement on ira sans palais dessus, mais on n'ira pas forcément le tuer. Alors, je vais me faire combattre parce que... Terrain. Terrain, ça peut être bien comme ça peut être nul. Mais je suis assez content d'avoir un élémentaliste ici, parce que c'est vrai que contre Ifrit, c'est pratique. Ça permet de le stun, ce qui le rend gratuit. Enfin, de le confuse, ce qui le... Ah non, ça ne va pas le rendre gratuit. Ça me l'avait rendu gratuit au Fort Job Fiesta parce que j'avais que des mages. Du coup, je lui enlevais pas son stun. Ah là là, le coup des deux armes. Earthquake. C'est tellement violent. Pourquoi est-ce que j'utilise mon arme au lieu de... Voilà. Je crois que c'est une mauvaise idée de rester là. Je vais pas rester dans le désert. Voilà. Bah écoute, ça a l'air. Ça fait quand même assez mal. D'ailleurs, comme j'ai récupéré... du stuff... Alors, je m'en remets un petit peu au chat, mais est-ce que vous pensez que c'est intéressant de grinder avant d'aller chercher Ifrit? Bon, en tout cas, on est arrivé là où on voulait aller. Alors, le temps que vous répondiez à ma question, je vais aller faire coucou à... On va pouvoir tester déjà un peu ce que ça donne ici. Oh, ils font mal.
Donc, princesse, t'en penses quoi? Farming ou pas farming? Je commençais à avancer avant d'avoir sa réponse. Au pire, je ferai demi-tour. Ce serait pas la première fois. Bah tu sais c'est pas grave hein, j'ai la skill pour apprendre des trucs. C'est par là. Non c'est là. Pas farming, ok. Donc c'est parti pour pas farming. De l'éther, ça c'est bien l'éther. L'éther, c'est la vie. C'est le bien. Coucou Crunch Shepard! Comment ça va? Ça, ça a l'air caché. Ah bah non, c'est juste Ifrit. Bon bah c'est l'heure de dire bonjour à Ifrit. Ouf. Ouais, non, en fait, c'est une mauvaise idée. Donc, on va le déconfusionner. On va soigner les gens. Ouais, ça va mieux. Bah, là, j'ai plus trop froid. Je pense que j'ai fait un petit coup de fatigue. Il y a un seul N, oui, je suis très chiante avec ça. Les gens te le diront, je suis très chiante avec mon N. Je suis très chiante avec l'orthographe de mon nom. Je suis très chiante avec beaucoup de choses en fait. Je suis très chiante en général. Haha. Donc j'ai obtenu Ifrit. Et j'ai Faris qui a obtenu une nouvelle skill. Donc je vais regarder cette skill. Qu'est-ce qu'elle fait? Que fait-elle? Qu'est-ce donc que ce smoke?
D'accord, c'est une autre skill de fuite. Attends, je vais faire un peu de régène quand même. Ouais, fruit, ça va, c'est passé gratuit. Je suis Ifrit. Ok. Alors je sais plus de quel côté c'est le bon côté pour pas aller tout de suite à la fin. Je sais plus quel est le bon côté pour aller du mauvais côté. Comment ça va? T'as fait ton work count? Quasiment. Bah c'est cool. J'ai bien rattrapé. Grand Shepard, spécialiste de mal écrire les noms des gens. Oh, c'est pas grave. Ah putain, j'ai des drops à l'infini. Ça a l'air d'arriver par un coup. Je crois que c'est par là que je dois aller. C'est par là. Ah ouais, non mais je vois ça, non mais t'en fais pas. Hein. Voilà, c'est pas par là. Oh, nouvel équipement. Alors, je suis désolé, je commence vraiment à avoir des drops de l'infini plus 20. Bah écoute, ça va. On a réussi à rouler sur le boss après une heure de grinding. Où le chat est mort d'ennui en fait. Ouais, c'est pas là. Eh, t'as aucune excuse, Grand Shepard, il y a 4 lettres sur mon nom. Et pareil pour Nina. Ton excuse, elle tient pas. Ouais, je crois que c'est mon PC qui tient pas en plus. Je sais pas, là, j'ai des drops, je sais pas d'où ça vient. J'ai plus d'upload, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de bouffer tout l'upload. Voilà, c'est des mobs dans des lits parce que je suis dans une bibliothèque maudite. Alors je comprends pas ce que j'ai, mais là les frames ça drop à l'infini. Hein. C'est pas toi, c'est pas Nina. C'est le PC dans ce cas, c'est forcément le PC. Attendez, je vais vérifier si c'est le PC. À une vache près.
Je vais voir ce que dit la Freebox, parce que là, c'est pas normal, ces drops. Ça m'inquiète. Donc, je regarde vite fait, et je re... Non, là, j'utilise rien, c'est le PC. C'est le PC, là, qui merde. Bon, bah, c'est bon à savoir, quand j'ai des drops de frame comme ça, c'est le PC. Simsinael, hein? Donc je suis désolé, mais je ne peux rien faire, c'est mon PC qui est en train de merder, tout bêtement. Et qui n'arrive pas à suivre, à tenir la charge pour le transcodage. Il y a un truc par là. Tout de suite. Oh putain, mais c'est l'apocalypse! Je suis vraiment désolé. Bon, je pense qu'on va s'arrêter après ce donjon. Parce que là... Il serait peut-être temps que je trouve un point de sauvegarde. C'est cool, suffit que je dise, c'est peut-être temps que je trouve un point de sauvegarde et paf, un point de sauvegarde. Alors, j'irai voir ton lien après, princesse. On peut tellement plus PC. Et on va essayer de finir ça rapidement. Oh merde. Sérieux là? Je sais pas si c'est une bonne idée de le faire tout de suite. On va faire ça. Réveille-toi, crétin. Merci. Faire un peu de soin. Histoire de pas mourir bêtement. Je te hais. Je te hais, le boss.
Oh, ça se passe mal. Ça se passe pas au mieux du monde, ce boss. Ah, je crois qu'il a plus de MP. J'ai rien dit, il a encore des MP. Un cadavre. Putain. Il est violent là. Hein. Ça manque de survivance surtout. On va y aller avec du fire parce que sinon ça va pas passer. Hein. Putain. Hey, j'ai cru que ça allait pas passer. J'ai vraiment cru que ça allait pas passer. Moi, mon pseudo, personne me le pique et ça me va. En même temps, je serais outré si quelqu'un le faisait.